Voilà, donc vous avez vu, là je suis dans l'enceinte de, du resto de chez Joe Papi, hein, l'homme qui n'est plus à présenter, hein. Celui qui fait du bien à nos estomacs et qui reçoit en même temps les artistes ivoiriens ici ce jour pour parler des histoires qui concernent les artistes, les préoccupations qu'ont les artistes, donc forcément nos anciens, ils sont là. Bien parce qu'ici à moi, ils sont présents. Hein. Les anciens mangent. Hein. Voilà, les anciens, ils sont en train de se, ils sont en train de se préparer. Voilà. On attend le PCA en train de déguster des ailes de poulet. Voilà. En attendant le PCA. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer donc que les ailes de poulet de chez Joe Papi sont mangeables et que ça craint pas? Les ailes de poulet de chez Joe Papi sont très bonnes. C'est de bonnes ailes de poulet. En tout cas, merci pour tout. La preuve, béni Bézi. La preuve, on est en train de manger. Voilà. Donc là, vous avez un ancien, béni Bézi, et vous avez à côté de lui Dave Depeu. Voilà. Donc vous verrez, hein, tous les artistes ivoiriens que vous avez peut-être pas vus ou que vous. Mais c'est ce qu'elle avait fait tout à l'heure. D'accord. Hello everybody, Staz, je suis donc en tant qu'artiste ivoirien présent ici. La réunion que nous avons eue, c'est une espèce de seconde partie, hein, de la table ronde du Modère. Donc nous avons reçu ici Monsieur Sylvain Seri. Monsieur Sylvain Seri, c'est le nouveau PCA du Buruda, la maison en fait des artistes ivoiriens. Donc aujourd'hui, le thème, il est très simple, c'est en tant qu'artiste ivoirien, résident en Europe, qu'est-ce que le Buruda prévoit pour nous? Et donc, il y a pas mal de choses qui se disent et qui se confirment ici avec lui. Et nous avons en fait on va juste vous faire voir un petit peu, mais vous pourrez pas entendre. Mais sachez que les artistes en fait sont vraiment rassurés par la présence de Monsieur Sylvain Seri, et c'est ce qui est le plus important, parce qu'une fois qu'on est rassuré, on est posé, on a l'esprit tranquille, et ça permet de commencer à discuter et à faire les choses. Salam alaikum à vous. Restez vraiment connectés et positifs, surtout. Aidez les artistes à pouvoir s'entendre entre eux, parce qu'une fois que les artistes sont dans la paix, et c'est tout le pays qui est en paix, on est ensemble.